Commandant ? Amiral. Je parcours juste le rapport. Ça donne quoi ? Moins de 40% de marteau s'est présenté au rapport. Dites-moi qu'il en viendra d'autres. Quelques retardataires sont en route. Mais le gros de marteau est bien arrivé. On est prêt comme on n'a jamais été. Chaque instant perdu ici profite aux maçonneurs. Totalement d'accord. Chef de bataillon, rapport au QG. Ça a été dur de venir. Mais le pire de la mission est devant nous. Il faut traverser le cœur de la zone contrôlée par les moissonneurs, percer leur défense et atteindre le faisceau. Quel genre de défense ? Tout le secteur est quadrillé par les troupes des moissonneurs. Mais notre plus gros problème, c'est le destroyer qui protège le faisceau. Est-ce que des renforts aériens peuvent s'en charger ? Négatif. Des interférences. Je crois qu'il va falloir le déterrer. Ils ont tracé une saignée, à No Man's Land, à travers la ville. Il faudra le traverser. Il n'y aura pas beaucoup d'abris de l'autre côté, mais attendez-vous à une résistance croissante. Il faut approcher nos chars. Si on se place assez près, on aura une chance de détruire cette chose. Quelles sont nos chances ? Ils nous attendent. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera un aller simple. Il n'y aura ni retraite, ni abandon. Nous avançons à tout prix. Entendu ? Hurrah ! Oui, chef. Johnson, Coates, vous êtes chargé de la coordination de l'artillerie. Shepard, je vous envoie là où la résistance sera la plus féroce. Soutenez les chars au mieux, mais restez en vie. J'ai besoin de vous pour l'attaque du faisceau. Vous avez une minute avec vos gars. Choisissez bien. Cette guerre nous a causé beaucoup de pertes et beaucoup de souffrances. Mais elle nous a aussi rassemblés. Soldats, alliés, amis. Ce lien qui nous unit est quelque chose que les moissonneurs ne comprendront jamais. Il est plus puissant que toutes les armes, plus résistant que tous les vaisseaux. Il est indestructible. Les prochaines heures vont être décisives pour l'avenir de notre galaxie. Chaque mère, chaque fils, chaque enfant qui va naître. Ils vous font confiance. Ils comptent sur vous pour reprendre leur avenir en main. Un avenir libre de la menace des moissonneurs. Alors courage. Regardez autour de vous. Vous ne combattez pas seul. Nous affronterons cet ennemi ensemble, et c'est ensemble que nous le vaincrons.
D'accord. Toutes les compagnies au rapport. Les compagnies d'artillerie d'Ebel à Foxtrot sont en route. Bien sûr. Les compagnies Golf à novembre prennent le flanc droit et poussent. Nettoyez les meubles. Thank you.
Mais ça leur donne aussi une cachette. Bien reçu.
Quelle est la situation, Major ? Le faisceau interfère avec le guidage des missiles. On peut atteindre le destroyer, mais on ne pourra être assez précis pour l'abattre. Merde. Idéa, tu me reçois ? Oui, commandant. Des suggestions ? Je vais peut-être pouvoir utiliser les systèmes du Normandie pour améliorer les capacités de visée des missiles. Excellent. Je vais avoir besoin que vous ouvriez un lien vers le Normandie depuis les systèmes de missiles. Je m'y colle. Marteau, ici l'amiral Anderson. Les forces terrestres des moissonneurs
font une percée. Tenez bon. Protégez ces réservoirs jusqu'à ce qu'on puisse tirer. Vous avez entendu. On se tient prêt. Les voilà. Attention les gars, en v'là d'autres! Il faut couvrir notre flanc gauche! Les missiles sont parés au lancement. Ok, vous avez entendu? Au camion!
Je tire! Neutralisation de l'interférence. Il a touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moissonneur est toujours trop près du faisceau. On n'a plus que 2 missiles. Et on l'a à peine égratigné. Vous allez devoir laisser le moissonneur s'éloigner du faisceau. Et il s'approche. Commandant, Marteau se fait déborder de tous les côtés. Les forces terrestres des moissonneurs se dirigent vers vous. On se rapproche de vous. Tenez bon, commandant. Tenez bon. Par la déesse, d'autres arrivent? Accrochez-vous, les gars. On peut le faire. On va vite le savoir. Les voilà! Compris.
Bien reçu, Idea. Bien joué, Idea. Shepard, on se dirige vers votre position. Bien reçu. Shepard, par ici. Je suis soulagé, vous êtes là. C'était pas beau à voir. Ça empire. Évidemment. On a un rapport de Hackett. Plusieurs moissonneurs de classe Sovereign ont rompu le combat avec épée. Ils viennent ici. Génial. Pour l'amiral Hackett, c'est une chance de positionner le Creuset. Mais il faut envoyer une escouade dans la citadelle pour ouvrir ses bras. Vite. Même si on atteint le conduit, on ne sait pas ce qu'on trouvera en arrivant à la citadelle. Voilà notre mission. Identifier notre adversaire. Ok. Mettez-vous tous en selle. Passez-moi l'amiral Hackett. À partir de là, allez tout droit pour trouver le faisceau. On court tout droit pendant que les moissonneurs tentent de nous tuer. Il faut juste que quelques soldats arrivent à passer. C'est tout. On savait qu'au mieux, c'était un pavé. Il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais être. On n'arrive à rien tout seul. La cible est en vue. Écoutez-moi bien. L'heure est arrivée. Merde. Thank you.
apercevez. Demande d'évacuation, tout de suite. On subit une vie de perte ici, allez. Voilà. Prenez-le. Je parle. Vous devez vous tirer d'ici. Et vous, vous devez vous moquer de moi. Pas de ça, Garrus. On ira jusqu'au bout. J'ai besoin de savoir que quelqu'un va survivre à ça. Débrouillez-vous pour en faire autant. Même si le meilleur tireur, c'est moi. Toujours. Prenez soin de vous, Garrus. Filez !
Shepard. Shepard. Anderson. Vous êtes là-haut? Je vous ai suivi, mais je ne suis pas arrivé au même endroit. Enfin, je crois. À quoi ressemble votre environnement? Ça va? J'ai un mal de chien. Mais ça va. Il fait sombre. Je vois des restes d'humains. Ça semble familier. Je suis dans un couloir sombre. On dirait votre description de la base des récolteurs. Logique. Vous pensez qu'ils fabriquent un moissonneur? Ouais. Ce complexe, sur Terre. Ils y envoient des gens ici pour les transformer. C'est monstrueux. Je continue d'avancer. Plus vite on renverra ces salauds en enfer, mieux on se portera. Ces conduits ne sont pas affinis. Mais où est-ce qu'on est? J'ai l'impression que je suis jamais venu dans cette partie de la citadelle. Oula. Anderson? L'un des murs vient de se déplacer. L'endroit change de configuration. Il y a un gouffre ici. Et d'autres couloirs comme celui où j'étais. Je dois être près d'une sortie. N'avancez pas trop quand même. Vous êtes où, à votre avis? J'ai trouvé le gouffre dont vous parliez. Attendez, je vois quelque chose. Un panneau de commande? Je vais avancer pour voir ça de plus près. Anderson? Merde. Anderson. Je vous ai sous-estimé, Shepard. Qu'est-ce que... Je vous avais prévenu. Contrôler, c'est survivre. Contrôler les moissonneurs, et vous, si nécessaire. Ils vous contrôlent. Je ne crois pas, amiral. Me contrôler, moi, c'est pas comme contrôler un moissonneur. Ayez confiance. Quand l'humanité a découvert les relais cosmodésiques, quand on a su que la galaxie recélait bien plus qu'on ne le pensait, certains ont voulu détruire ces relais. Ils avaient peur de ce qu'on trouverait, peur de ce à quoi on s'exposait. Mais regardez ce que l'humanité a accompli. Depuis cette découverte, on a fait plus de progrès qu'en 10 000 ans auparavant. Et les moissonneurs referont la même chose pour nous, 1000 fois. Mais...
seulement si on arrive à maîtriser leur capacité à contrôler. Foutaise. Ils nous détruisent. Ou on les détruit. Et rater cette occasion? Jamais. Vous jouez avec des choses que vous ne comprenez pas. Un pouvoir que vous ne devriez pas utiliser. Vous dites n'importe quoi. Si on peut le contrôler, pourquoi ne pas s'en servir? Parce que... on n'est pas prêt. Non. C'est comme ça que l'humanité doit évoluer. Il y a toujours un autre moyen. J'ai passé ma vie à essayer de comprendre les moissonneurs. Et je suis sûr d'une chose. Le creuset va me permettre de les contrôler. Et après? Nous pouvons les dominer et utiliser leur pouvoir. Je vois ce qu'ils vous ont fait. Je leur ai pris ce que je voulais. C'est moi qui décide. Tout ça n'a rien à voir avec moi ou vous. Tout ça nous dépasse tous, complètement. Il a tort. Ne l'écoutez pas. Et qui allez-vous écouter, Shepard? Un vieux soldat ancré dans ses habitudes, seulement capable de voir le monde à travers le canon d'un fusil? Et si il a tort? Et si la clé, c'est de contrôler les moissonneurs? Si on détruit les moissonneurs, tout prend fin aujourd'hui. Mais si vous n'arrivez pas à les contrôler... J'y arriverai! Vous êtes prêt à parier l'avenir de l'humanité là-dessus? Je sais que ça marchera. Vous ne pouvez pas, c'est ça. Ils ne vous laisseront pas le faire. Non! C'est moi qui décide! Personne ne me dit ce que je dois faire! Mais écoutez-vous. Vous êtes endoctriné. Non! Non! Vous êtes tellement suffisant! Vous croyez qu'un tel pouvoir vous est servi sur un plateau? Il faut faire des sacrifices! Vous en avez beaucoup trop fait. Shepard! Je n'ai toujours voulu que protéger l'humanité. Le creuset peut les contrôler. Je le sais. C'est pas trop tard. Laissez-nous partir. On se charge du reste. Je ne peux pas, commandant. Bien sûr. Il vous contrôle maintenant. Vous ruineriez tout ce que j'ai accompli. C'est hors de question. Vous n'êtes plus vous-même. Vous leur appartenez. Non ! Vous avez échoué ! J'aimerais que vous voyiez ce que je vois, Shepard. C'est juste. Parfait. Thank you.
Commandant? On a réussi. Oui, c'est vrai. Quelle vue splendide. On est aux premières loges. Ça fait du bien de pouvoir s'asseoir. Je pense que vous méritez une pause, Anderson. Restez avec moi. On y est presque. Vous avez assuré, fiston. Vous avez assuré. Je suis fier de vous. Je vous remercie. Anderson. Je parle. Commandant. Je... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il n'y a rien qui se passe. Le creuset ne veut pas tirer. Ça doit sûrement venir de votre côté. Commandant Shepard. Je ne vois rien. Je sais pas trop comment. Commandant. La citadelle, c'est chez moi. Qui êtes-vous? Je suis le catalyseur. Je croyais que c'était la citadelle, le catalyseur. Non, la citadelle fait partie de moi. Il faut arrêter les moissonneurs. Vous m'aidez? Peut-être. Je contrôle les moissonneurs. Ils sont ma solution. La solution à quoi? Au chaos. Les créatures se soulèveront toujours contre leur créateur. Mais nous avons trouvé le moyen d'empêcher cela, un moyen de ramener l'ordre dans le prochain cycle. En éliminant la vie organique? Non. Seules les espèces avancées sont moissonnées. Les plus jeunes sont épargnées. Tout comme nous avons épargné votre espèce lors de notre dernier passage. Mais vous avez tué les autres. Non. Nous les aidons à s'élever pour faire place à une nouvelle vie. L'ancienne vie devient un moissonneur. Je crois qu'on aimerait autant garder notre forme. Non, vous ne pouvez pas. Si nous n'étions pas là, les synthétiques détruiraient les organiques. Nous avons créé ce cycle pour que cela n'arrive jamais. C'est la solution. Vous dites être le catalyseur, mais c'est-à-dire... Un conseil.
concept. Une intelligence conçue il y a une éternité. Pour résoudre un problème. J'ai été créé pour rétablir l'équilibre. Pour être le catalyseur de la paix entre organique et synthétique. Donc vous êtes une simple IA. Autant que vous êtes un animal. J'incarne l'intelligence collective de tous les moissonneurs. Mais vous avez été créé. Exact. Par qui ? Par ceux qui ont compris qu'il y aurait toujours des conflits entre synthétique et organique. À l'origine, j'ai été créé pour superviser les relations entre vie organique et vie synthétique, pour rétablir un lien. Mais nos efforts ont toujours débouché sur des conflits. Il fallait trouver une autre solution. Les moissonneurs ? Exactement. D'où sont venus les moissonneurs? Vous les avez créés? Mes créateurs leur ont donné une forme et moi une fonction. Et eux, ils me donnent un but. Les moissonneurs sont une représentation synthétique de ceux qui m'ont créé. Qu'est-il arrivé à vos créateurs? Ils sont devenus les premiers moissonneurs. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'était la seule solution. Vous l'avez déjà dit, mais en quoi les moissonneurs sont censés être la solution? Les organiques créent les synthétiques pour améliorer leur existence. Mais ces améliorations ont des limites. Pour les dépasser, les synthétiques doivent pouvoir évoluer. Ils doivent, par définition, dépasser leur créateur. En résulte le conflit, la destruction, le chaos. C'est inévitable. Les moissonneurs récoltent et préservent la vie. Organique comme synthétique, avant qu'elle ne soit perdue à jamais dans ce conflit. Sauf qu'on est en guerre contre les moissonneurs. Vous peut-être, mais les moissonneurs, eux, se fichent de la guerre. Plutôt dur à croire. Quand le feu brûle, est-il en guerre ? Ou accomplit-il simplement ce pourquoi il a été créé? Nous sommes exactement pareils. Nous moissonnons vos corps, vos savoirs, vos créations. Nous les préservons et les faisons renaître sous la forme d'un nouveau moissonneur. Comme un feu purificateur, nous rétablissons l'équilibre. La vie, organique et synthétique, est alors libre de fleurir à nouveau. Que savez-vous sur le creuset? Ce que vous appelez le creuset n'est rien de plus qu'une source d'énergie. Cela dit, grâce à la citadelle et au relais, il est capable de libérer des quantités d'énergie impressionnantes à travers la galaxie. Il est rudimentaire, mais efficace et souple dans sa construction. Qui l'a conçu? Vous ne les connaissez pas, et ça prendrait trop de temps de vous expliquer. Cela fait plusieurs cycles déjà que le concept de cet appareil a été pensé. Au fil des cycles, l'appareil a beaucoup évolué. Pourquoi ne pas l'avoir empêché? Nous croyons le concept éradiqué depuis longtemps. Mais il faut croire que même moi, j'ai sous-estimé les organiques. Mais vous nous enlevez notre futur. Sans futur, on n'a pas d'espoir. Et sans espoir, autant être des machines programmées pour agir, pour obéir. Croyez-moi, vous avez de l'espoir. La preuve, c'est que vous êtes le premier organique à vous trouver ici. Ce qui prouve aussi que ma solution ne fonctionne plus. Bon, et maintenant ? Trouvons une nouvelle solution. Pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi vous m'aidez ? Vous avez changé la donne. Comment ça? Le creuset m'a changé en créant d'autres possibilités. Mais je ne peux pas les réaliser. S'il existe une nouvelle solution, vous devez agir. Vous avez le pouvoir de nous détruire. Mais je vous préviens, d'autres...
d'autres seront aussi exterminés. Le creuset ne fera aucune distinction et visera tous les synthétiques. Vous-même, vous êtes en partie synthétique. À quoi je dois m'attendre ? Votre creuset semble être relativement intact. Cela dit, les effets de l'explosion ne se limiteront pas aux maçonneurs. La technologie dont vous dépendez sera touchée. Mais les survivants devraient pouvoir réparer les dégâts sans trop de problèmes. Il y aura bien sûr des pertes, mais pas supérieures à celles subies jusqu'à présent. Mais les moissonneurs seront détruits. Oui, mais la paix ne durera pas. Bientôt, vos descendants créeront des synthétiques, et le chaos reviendra. Il doit y avoir un autre moyen. En effet. Vous pouvez toujours utiliser l'énergie du creuset pour prendre le contrôle des moissonneurs. L'homme trouble avait donc raison, après tout. Oui, mais il n'aurait jamais pu prendre le contrôle, puisque nous le contrôlions déjà. J'y arriverai. Vous mourrez, vous nous contrôlerez, mais vous perdrez tout ce que vous avez. Comment je peux contrôler les moissonneurs si je meurs ? Votre forme physique se désintégrera, mais vos pensées, vos souvenirs survivront. Vous ne serez plus un être organique. Votre lien avec les vôtres sera rompu, mais vous aurez toujours conscience de leur existence. Mais les moissonneurs m'obéiront ? Oui. Vous pourrez nous contrôler comme bon vous semblera. Oui, il existe une autre solution. La synthèse. Et c'est... Ajoutez votre énergie au creuset. La réaction en chaîne combinera vie organique et synthétique pour donner un nouveau système, un nouvel ADN. Mais comment mon énergie sera associée au creuset ? Votre énergie organique, l'essence même de ce que vous êtes, sera décomposée, puis dispersée. Pour faire quoi exactement ? L'énergie du creuset, ainsi libérée, transformera la matrice de toute la vie organique de la galaxie. Les organiques cherchent la perfection par la technologie, les synthétiques par la compréhension. Les organiques seront perfectionnés en étant entièrement intégrés à la technologie synthétique. Quant aux synthétiques, ils obtiendront une compréhension complète des organiques. C'est la solution idéale. Maintenant qu'on sait que c'est possible, nous arriverons à la synthèse. C'est inévitable. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Nous avons essayé quelque chose de similaire, sans jamais réussir. Pourquoi ? Parce que les organiques n'étaient pas prêts. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Mais vous l'êtes maintenant. Optez pour cette solution. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Vous êtes déjà à moitié synthétique. Vous pouvez imaginer la vie sans eux. Et comme ça, on continuera à vivre ensemble ? Le cycle prendra fin. La moisson s'arrêtera et les civilisations seront préservées sous leur forme et reliées à nous tous. La synthèse est l'ultime évolution de toute forme de vie. Les voies sont ouvertes. Mais il faut choisir. Thank you.
foutez-moi le camp d'ici. Joker, il faut y aller. Bordel. Thank you.
suis vivante. Nous avons synthétique comme organique, tous changés. La guerre est finie. Et les moissonneurs aident à reconstruire. S'ils nous menaçaient jadis d'extinction, ils apportent aujourd'hui le savoir des cultures qui nous ont précédés. Toute la galaxie est maintenant libre de suivre sa propre route. Vers un avenir nouveau, un avenir heureux et florissant, où les organiques ne craignent plus leur création synthétique. Grâce à la paix et à l'accès au savoir dans la galaxie tout entière, nous éliminerons maladies, pauvreté et même surpopulation. Nous retrouverons la prospérité perdue. Et plus encore. Nous récupérerons nos mondes et les étoiles. La frontière entre organique et synthétique disparaîtra, défiant les lois de la mortalité, vers un niveau d'existence que je ne peux pas encore imaginer. Mais nous nous souviendrons toujours que cette vie n'est pas venue sans sacrifice. Quelles que soient nos avancées, nous nous souviendrons de tous ceux qui ont péri pour qu'elles puissent voir le jour. Nous nous souviendrons de Shepard. Grâce à cet homme, je suis en vie. Et je ne suis pas la seule. Thank you.
C'est vraiment arrivé, tout ça? Oui, mais certains détails ont disparu avec le temps. Ça remonte à loin, tu sais. Quand est-ce que je pourrais aller dans les étoiles? Un jour, mon petit. Il y a quoi là-bas? Tout ce que tu peux imaginer. Notre galaxie a des milliards d'étoiles. Chaque étoile est entourée de nombreuses planètes. Chaque planète est susceptible d'abriter une nouvelle forme de vie. Et chacune de ces vies a sa propre histoire. Je veux une autre histoire sur le Shepard. Il se fait tard, mais d'accord, une dernière.